Je m'appelle Oana Ignat et je suis stagiaire en hygiène dentaire au Collège de Maisonneuve. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet de l'édentation. L'édentation, c'est en fond la perte des dents, qui peut entraîner ensuite une perte de l'os de la mâchoire. Ce phénomène se produit naturellement à cause de la manque de stimulation des tissus de support de la dent lors de la mastication. De plus, cette diminution de l'os peut déterminer l'apparition de plusieurs conséquences néfastes. La détérioration de l'os détermine une modification des mâchoires dans tous les sens et un vieillissement prématuré du visage. Avec le temps, les dents voisines commencent à refermer l'espace vide. Le déplacement des dents détermine d'autres ouvertures entre les dents où les aliments et les bactéries peuvent s'accumuler. À cause d'un manque d'hygiène dentaire, des maladies des gencives et des caries peuvent se développer. Également, la dent antagoniste à l'espace vide arrive à sortir de son alvéole. De cette façon, les dents mal positionnées empêchent une fermeture de la bouche confortable et entraînent une mastication difficile. Cela peut favoriser une usure des dents et des problèmes au niveau de l'articulation de la mâchoire. Il y a plusieurs solutions pour remplacer les dents manquantes. Les implants, les couronnes, les ponts ou les prothèses. Consultez votre hygiéniste dentaire ou votre dentiste pour connaître les options qui s'offrent à vous. Merci de votre attention et à bientôt.